cours, dans cette vidéo, nous allons voir la fonctionnalité inventaire de SaltyScan. Comme vous pouvez le voir sur la page d'accueil, nous avons tous les boutons avec toutes les fonctionnalités. Parmi ces boutons, nous retrouvons le bouton inventaire qui va nous permettre de mettre à jour une quantité pour un produit sur notre logiciel de stock GSM. Si je clique sur mon bouton inventaire, l'application me dit que cette option n'est pas disponible. Pour la rendre disponible, il faut que je me rende dans les paramètres en cliquant sur la roue dentée en haut à droite et en cliquant sur le bouton SaltyScan Pro. Cette option nécessite d'avoir la licence de SaltyScan. Dans mon cas, ma licence est déjà enregistrée. Une fois que ma licence est enregistrée, je vais pouvoir cocher ma case inventaire qui va me donner accès à cette fonctionnalité. Je peux retourner en arrière. Et désormais, lorsque je clique sur mon bouton inventaire, j'ai accès à la page me permettant de réaliser des inventaires, l'inventaire de mes produits. Si je clique sur mon bouton scan, je vais pouvoir scanner ma référence et dire que j'en ai par exemple 66 en stock. Je clique sur mon bouton enregistrer. Mon inventaire étant terminé, je peux désormais exporter mes données. Je vais cliquer sur mon bouton exporter et envoyer le mail à l'adresse correspondante. Côté SaltyScan, nous avons terminé. Nous retrouvons maintenant donc sur le PC pour réceptionner les données. Nous voilà donc maintenant sur notre ordinateur, sur notre logiciel de stock GSM. Je peux voir que pour le produit que nous avons scanné, sa quantité est de 90. Précédemment, nous l'avons inventorié avec une quantité de 66. Je vais cliquer sur mon bouton synchro pour pouvoir récupérer les données de l'application. Cliquez sur mon bouton recevoir. Il m'indique qu'un mail a bien été reçu et je peux désormais cliquer sur mon bouton enregistrer. Il m'indique que les opérations se sont terminées avec succès. Je peux quitter et si je clique sur rafraîchir, je peux voir que ma quantité est passée de 90 à 66. Si je vais voir dans mon journal, je vois bien que le 28 décembre à 17h28, j'ai réalisé une opération de type inventaire pour mon produit 1001 avec une quantité de 66. Voilà pour la fonctionnalité inventaire concernant SaltyScan et GSM. Merci d'avoir regardé cette vidéo.